Faut s'attaquer au. On va voir. On va essayer de s'attaquer au plus petit là pour voir un petit peu si ça augmente aussi la. Zut. Voilà. Hop, un peu de corruption. Oui, ça augmente. Bon, il n'y a quasiment plus rien. 10%. Mince. Je suis trompé de sort. C'est pas la bonne dent. Ok. J'aurais pu faire un strike aussi de cette équipe-là, résultat, mais je pensais au départ vraiment qu'il fallait faire que les engins, les engins de siège y arriver. Je suis en train de regarder un truc, mais je pouvais pas le monter, lui. Non. Non, non, c'est juste un bug d'affichage, lui. Ok, d'accord. C'est juste un bug d'affichage, le cercle que j'ai. Il va falloir que vraiment que je termine le scénario. Donc la question, c'est lui. Ben, je sais pas. Donc, il y a un mec qui s'appelle Lénarque. Aurélis. De toute façon, faut que j'aille au fort de l'aube éternelle. Donc c'est en face. Ah oui, c'est vrai que je suis en instance, donc les monstres repopent pas de toute façon. Oui, c'est parce qu'il me semblait qu'il avait attaqué lui. Je l'ai passé. Quoi, c'est ça le fort? C'est juste deux murailles et trois huttes. J'ai paumé un allié. Bon, c'est pas grave. D'accord. Oh, ça va, il a rien envie. Ah, on voit tous hein, la lumière extrêmement dogmatique. Hein. D'accord, c'est en deux, c'est en deux, c'est en deux parties. Ah, oh, l'étourdissement.
Ouf, mon trait de l'ombre, il a fait mal. Allez voir gros mâche. Alors le truc c'est que vu que j'ai un bug sur l'indication des quêtes, bah il peut un peu être n'importe où quoi. Donc est-ce que je retourne au premier camp? On va faire ça. On va retourner au premier camp. Sommet de la tour. Utiliser la tourelle. Quelle tourelle? Attendez. Utiliser la tourelle au sommet de la tour du guet des bêtes pour protéger. Alors je vois une tour là-bas, est-ce que c'est là-bas? Guet des bêtes. À la tour. Ça a l'air d'être une petite tour, mais pourquoi pas. Ça a pas l'air d'être ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. Non, non, c'est juste une hutte de commandement, ça. Enfin, une hutte. C'est plus qu'une hutte, mais bon. Mais j'ai rien qui ressemble à une tour. Est-ce que c'est... Ah! Là-bas, d'accord, ok. Décidément, c'est un peu galère, hein?
C'est un peu galère avec les mauvaises indications, la mauvaise indication de quête. Ok, et donc je peux utiliser une. Ok, je peux utiliser celle-là. Ok. Oula. Là. Ok. Si j'utilise le 2, ça fait quoi? Ok. C'est un peu galère, hein. Il y a un temps de recharge assez... assez sévère. La musique est cool. Elle est très basse, mais elle est cool. S'échapper de Draenor. Ok, on se tire. Ok, parce que j'avais pas vu. Je m'attendais à avoir quelques dialogues. Donc on est près d'Orgrimmar. L'odeur des Maghars est pure et Quand je forte. pense à ce que nous avons de. À ce que nous venons de perdre, c'est non inutile. Nous sommes là pour gagner la guerre. Oh, une monture. Ce monde n'est pas tel que je l'imaginais. Il est temps pour nous de montrer. De rencontrer votre chef de guerre, MDG le Normand. Inutile d'attendre davantage. Nous lécherons nos blessures une fois que nous aurons un toit au-dessus de la tête. Retrouvez voir J-Pat au feu de feu au... Ah! Allez voir J-Pat de feu à Orgrimmar pour connaître la fin de l'histoire.
Bien. Je vais aller voir aussi s'il est... Ah, je peux voler ici. Voyons un peu la fin de cette histoire et récupérons cette monture. Bienvenue. Les drapeaux n'ont pas chargé. Hop. Ah d'accord, donc on sort à rien en fait. Ok, alors cette monture. À quoi elle ressemble? On va sortir, on va essayer. Beaucoup de contenu, hein, beaucoup de contenu sur cette extension. Là. C'est classe. Regardez un petit peu le temps de... Voilà. J'allais voir... J'allais voir si les... Vulpurins... Les Vulpuriens sont là. Non, je... Voilà, je suis embêté, on est censé voir les Vulpuriens ici et je ne les vois pas. Pareil, cette quête-là, elle est buggée. Donc je peux pas discuter avec Donc là je suis un peu coincé. Donc je suggère qu'on retourne Comment? À la forge de... À la forge, quoi. On peut passer par Holden. On gagnera du temps. Non, on gagnera du temps à passer par les portails. Je passe ici, je prends le portail directement pour le camp de Mani et c'est bon. Quelque chose a effrayé un des brutosaures. Le pauvre a paniqué et Ah, semé la s'en pagaille. fiche de tes brutosaures. Franchement, on n'avait pas besoin de ça. Aidez les marchands à sauver leur cargaison avant qu'ils vous piétinent.
J'ai des quêtes en cours là. Ces pierres ont une histoire à raconter. Pour Azeroth. Ok, donc ça. C'est le prince noir qui se tient devant vous. Je dois défendre l'héritage de mon père. Ah oui, il y avait ça. Ah oui, mais non, il y avait un raid, mais je ne pouvais pas le faire. Donc ça, c'est un raid, mais il faut le faire en groupe. Récupérer un exemplaire de la version magnifique. Ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. On va essayer. On va essayer, on va essayer. Qu'est-ce que... Non, c'était juste la forge à les sélectionner quand je suis comme ça en fait. Mais non, qu'est-ce que... Mais non, ok, d'accord, c'est le transporteur. Hop. Bon, direction la vision horrifique. Je suis parti un peu trop au sud. Là, j'arrive vers le royaume déchu, là. Pareil, le royaume déchu que j'ai poncé, que j'ai poncé. Il y a deux donjons à faire là-bas. Pour obtenir deux réputations, deux ou trois réputations. Après ça, pareil, hein, je sais que je devrais le faire, mais... Te dire quotidiennement, mais Déjà, j'ai pas eu trop le temps, et je vous avoue avoir un peu la flemme. Ok, nous y sommes. Alors, faut que je... Hop, ok.
Ok, ça a bugué, je sais pas pourquoi. Ok. Donc, il faut que je retienne que ici, là en fait, il y a un champ et je me. D'accord. Donc, même là, je perds un petit peu. C'est juste que. Ok. Faut absolument que. Hop, les vestiges d'une malédiction. Faut que je trouve où c'est. Ce serait là. Assistante d'un allié requise pour réanimation et poursuite de l'exploration de la vision. Je me suis fait def? Ah ouais, j'avais pas vu. Mais 1 300 000 points de vie, c'est quoi ce mob? Je me suis fait jeter. Et je peux pas y retourner. Mais non, je suis mort. Je suis mort comme un con, donc c'est mort. Mais il n'y a rien d'indiqué! Il n'y a rien d'indiqué! Ça me saoule! Bon, donc là, ici, il y a ça, mais. Mais je me suis fait def, donc bah, c'est mort pour aujourd'hui. Ça c'est super. Ça quand on est vidéaste, c'est vraiment génial. Et j'adore ce genre de choses. Bon, enfin, bref. Ben, retour à Azeroth, résultat, il y a que ça. Ah, Azeroth, ah. Azuldazar, vous voulez dire. Allez, hop. Quelque chose a effrayé un des Brutosaures. Le pauvre a paniqué et semé la pagaille. Franchement, on n'avait pas besoin de ça. Aidez les marchands à sauver leur cargaison avant qu'ils vous piétinent. Je dois le voir ça. On raconte que c'est vous qui avez l'oreille du trône. Vous désirez quelque chose? Ah, ouais, vas-y. Que les Loas vous portent chance. Eh ben, je ne sais pas trop quoi faire. Il y a cette quête là, là-bas. De fil en aiguille. On peut peut-être jeter un œil.
Et je pense qu'en fait, on arrive un petit peu au bout. Après, il y a Nage Jatar à faire, mais... Disons que... Bon, j'y suis pas retourné depuis que j'ai... Enfin, avec mon nouveau stuff, j'ai pas essayé. Mais... Ouais, hein. Quelque chose a effrayé un des brutosaures. Oh, mais Le pauvre fous-moi a la paix avec paniqué et ton se met en brutosaure. Tiens, qu'est-ce pagaille. que tu veux, toi? Franchement, on n'avait pas besoin de ça. Encore du Aider lin? les marchands à sauver leur cargaison Ouais, avant vas-y, qu'ils vous cadeau. piétinent. Là. Salutations. Alors, vous me voyez, le ciel soit loué, j'ai bien cru m'être égaré une fois de plus dans les méandres du temps. Lire dans les trames temporelles, c'est certes pas donné à tout le monde. Vous devez être un couturier fort talentueux. Ah d'accord, c'est lié à ma couture. Pourriez-vous m'apporter du tissu? Je vous en prie. Avec votre aide, je pense pouvoir trouver... Ok. Donc... Là, bah, tu Les parles mal. étoiles vous guident. Ben... Ah, c'est bon, c'est ce qu'il faut. Kalteros Maldine. Ashtoras Denil. Ok, je me souviens pas avoir visité cette époque ici auparavant, mais je vous dois des explications. Je m'appelle Delormi et je suis la représentante des tailleurs synchrones, d'accord. Notre rôle consiste à veiller au bon entretien du tissu du temps. Et j'ai justement repéré plusieurs déchirures survenues récemment. Pour tout vous dire, je pense que c'est précisément la raison de ma présence à cette époque. Peut-être pourriez-vous m'aider à les trouver et à les remplacer. À remplacer les déchirures dans le temps. Notre heure est venue. Quelque part des environs. Ah! Alors. Non, donc c'est pas ça. Quelque chose a effrayé un des brutosaures. Le pauvre a paniqué et semé la pagaille. Franchement, on Oui, on n'avait est pas d'accord, ça besoin c'est de juste. ça. Aidez les marchands à sauver leur cargaison avant qu'ils vous piétinent. Ok. J'avais pas vu qu'il y avait un truc là. Les étoiles brillent à nouveau. Recevez fil synchrone. Ok. Il permet de réparer les déchirures de tissu. Ok. D'accord. Juste pour vérifier, mais tu es quoi exactement, toi? C'est quoi? C'est une draineille? C'est une...
C'est peut-être une eau elfe. Je sais pas trop ce qu'elle est. Je peux vous aider? Je pense que c'est une eau elfe. La nuit vous garde. Et nous voilà. Portez-vous bien. Je me sens bizarre, affaibli, comme si quelque chose affectait mon existence même. Venez avec moi, M. Jules Normand. J'aurai peut-être besoin de votre aide. À tout le moins, vous pourrez témoigner des événements s'il venait à se produire quelque chose de grave. Parlez à Dormy quand vous voudrez partir enquêter sur la perturbation. Quelle heure il est? 5 heures, j'ai 1 heure. Portez-vous bien. Ashtoras Denil. La nuit vous garde. Ok. Je suis dans les grottes du temps. Bon, pourquoi pas. Le fil tranché. Vous voyez ça, il y a un cadavre un peu plus loin. Quand je pense que les grottes sont littéralement infestées, nous ferons bien d'inspecter les corps. Nous trouverons peut-être quelque chose d'utile. Inspecter les cadavres dans la grotte du temps. Ok. Salutations. Et tuer deux analogies chronologiques. Ces grottes du temps bizarres, j'ai suivi de nombreuses lignes temporelles ici même. Qu'y a-t-il de si spécial à cet instant précis? Nous démêlerons cette écheveau, d'accord, plus tard. Pour l'heure, il semblerait que nous ne soyons pas les seuls à être affectés par ces failles. Rendons service au vol draconique de bronze en éliminant ces anomalies. Les étoiles vous guident. Ok. Bon, je vais tuer quelques anomalies parce que je suis pour le voir. Ah d'accord, donc par contre elle combat pas du tout, elle. Bon, 7 sur 12, ça va vite, ça va. Je suis hors de portée. Ah. Alors, évidemment. Prends la grosse, s'il te plaît. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon.
Ok. Ah. Quoi, déjà à rendre, c'est bon? Alors, encore une de ces failles. En temps normal, je me contenterai de la réparer et nous n'en parlerons plus. Mais au vu des circonstances, je tiens à savoir où elle mène. Excusez-moi. Ça fait très Doctor Who hein, dans le style. Ce n'est pas tous les jours que je communie avec mes jumelles temporelles, mais l'une d'entre elles est devenue mon amie proche. Je sens mes forces me quitter peu à peu si elle meurt. Le temps presse, il faut entrer dans cette faille. Séance tenante, entrer dans la faille temporelle avec Tristan Delormi. Quelle heure il est? Ouais, c'est bon, allez. Notre heure est venue. Eh ben, let's go! D'accord. C'est donc une instance. Eh bien, soit. Oh! Tenubalar. Je n'ai pas pu me transformer, ok. Kalteros Maldine. Cette chose est en train de la tuer, elle est en train de me tuer. Il faut l'arrêter. De grâce à moi, empêcher l'ombre de Delormi de tuer la magistrice. C'est bon, j'ai pu me transformer. Un petit instant, je vous prie. Désorienté, Delormi s'agrippe à votre épaule pour garder l'équilibre. Une main posée sur le front, elle se fige l'espace d'une minute. Puis elle reprend ses esprits et se redresse en vous regardant droit dans les yeux. J'ai des trous de mémoire, des choses qui m'étaient chères m'ont définitivement échappé. Nous devons l'arrêter coûte que coûte. Suffit de l'emmener dans la faille temporelle. Les okay. Étoiles vous guident. Ouf! Cultiras. Finistère. C'était moi, c'était un piège. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je n'ai pas de cible. Je peux vous aider. Portez-vous bien. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire?
Je sais pas trop quoi faire là. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Ah! Je l'ai. Ok. Putain, c'est long! Et en plus, ça sort des ennemis. Ah zut, j'ai bougé. Ok. La nuit vous garde. Je l'ai vu dedans, la affairée à détruire à détruire un autre plan de ma ligne temporelle. Chaque fois qu'elle coupe un nouveau fil, je me perds un peu plus. Peut-être mon heure a-t-elle sonné, mais je ne la laisserai pas détruire le tissu du temps. Je dois vous demander de vous joindre à moi une dernière fois. Sans vous, je n'arriverai à rien. Entrer dans la faille temporelle. Ouf. Ceinture draconique de bronze, d'accord, ok. Je suis en instance? Non. Non, ça n'a pas l'air. Salutations. Généralement, je vous en conjure, restez auprès de moi. Je suis si faible, tant de fils ont été tranchés. Je vais mobiliser ce qui reste de mes pouvoirs pour réparer la faille. S'il vous plaît, protégez le tissu du temps. De ses méfaits, tu es l'ombre infinie. Les étoiles brillent à nouveau. Mon alter ego infini avait raison, je ne suis plus en mesure. Excusez-moi, j'ai un appel, je mets juste en pause une minute. Zut! Excusez-moi, donc c'est reparti. Mais c'est reparti rapidement parce que finalement, donc j'ai quelque chose de prévu. Mon alter ego infini avait raison, je ne suis plus en mesure de réparer le temps. Trop de mes fils ont été tranchés, je ne sens plus rien. Me voilà entièrement coupé du monde. Par chance, ce n'est pas votre cas. Prenez ce patron, vous
vous êtes révélé un couturier remarquable aux yeux de vos contemporains et un sauveur intemporel. Vous, pour tant d'autres, seules vos mains pourront raccommoder le tissu du temps. C'est une immense responsabilité, mais j'ai l'entière confiance en vous. Faites-moi signe quand vous serez prêt, et je vous ramènerai là où toute cette histoire a commencé. Demandez à la Tisse tant d'Elormi de vous renvoyer à votre époque. Les étoiles vous guident. Eh, parce que là, on est hors du temps, là. Ok. Calteros Maldin. Ça fait un plaisir, le jeune homme. Peut-être nous revendons-nous dans une autre époque. Ok. Quelque chose a effrayé un des Brutosaures. Le pauvre a paniqué et semé la pagaille. Franchement, on n'avait pas besoin de ça. Aidez les marchands à sauver leur cargaison avant qu'ils vous piétinent. Ok. Bah écoutez, c'était cool cette suite de quêtes en vrai. C'était cool. Et donc... Wow! Je sens que ces trucs-là, c'est galère à avoir. Bon. C'est... Bon, ok, c'était une chose intéressante. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Ok, je vais fermer ça. Alors, tous ceux qui sont entourés, ce sont des quêtes du secteur, en fait, hein. Ce ne sont pas des quêtes... Ok. On va aller voir en Asmir. En Asmir, j'ai une quête là. Le résus négatif. Ok, donc j'ai ça là-bas. Et chez les Voldoni, j'ai une quête là. Non, c'est le résus négatif aussi. J'ai plus de quête chez les Voldoni. Donc il y aurait celle-là à faire. Écoutez, je passe un appel. On va juste remonter ensemble. Je passe un appel après. Et je vous dis si on continue pendant une petite heure ou pas. Enfin, moins d'une heure, résultat là, parce que il me resterait 45 minutes de tournage. Ouais, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Je vais devoir mettre fin à cette session de tournage ici. Donc sur ce, j'espère que bah, cette suite de quête vous aura plu. Je vais essayer de voir un petit peu après. Enfin, après, on va aller voir la quête en Azmir. Pour suivre la dernière suite de quête qui est là. Et puis après, est-ce que Kultiras, il reste encore des trucs? Attendez, on va regarder, on regarde rapidement. Ici, il n'y a pas de quête. La vallée de... Non. Et de Rostovar. Ça charge pas. Ah, ça y est. Il n'y a pas de quête non plus. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite. Hop. Ouais, mais là, je suis pas sur la bonne... C'est pas la bonne carte qui est chargée. Ici, bon, bah, il y a la zone en question. Et. On a quasiment fait le tour, en fait. Hein.
Après, en Fandari, voilà quoi, mais non. Il y a cette partie-là, quoi, mais. Ouais. Bah, il y aurait que la quête en Azmir qu'on va faire à la prochaine session de tournage. Excusez-moi. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt.